Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de Shining, le roman extrêmement connu de Stephen King. Shining, ça raconte l'histoire d'une famille, donc deux parents, Jack et Wendy Torrance, et leur fils de 5 ans, Danny. La famille a de gros soucis d'argent et le seul travail que Jack a trouvé, c'est celui de gardien dans un hôtel qui s'appelle l'Overlook. Du coup, Jack, Wendy et Danny vont passer tout l'hiver enfermés dans ce vieil hôtel sans possibilité de partir une fois que la neige aura commencé à tomber. Mais l'Overlook, c'est pas un hôtel comme les autres puisqu'il est habité par des présences surnaturelles et elles vont avoir une très mauvaise influence sur Jack et elles vont aussi tourmenter Danny, l'enfant, puisqu'il a un espèce de don de voyance. Alors, ce livre, j'en attendais beaucoup parce que c'est Shining, c'est un classique de Stephen King, et je vous cache pas que j'ai été un peu déçue. Je trouve pas que ce soit un mauvais livre, mais pour moi c'était censé faire peur. J'étais influencée par le fait que le film soit classé en tant que film d'horreur, donc je m'attendais à flipper grave. Et bah en fait ça fait pas peur du tout. Même pendant les scènes qui sont censées être horrifiques, j'ai ressenti du stress, du malaise et de l'oppression, mais pas du tout d'angoisse. Même après le passage sur la chambre 217, j'ai eu absolument aucun mal à m'endormir après. D'ailleurs, les scènes flippantes, j'ai trouvé qu'il y en avait très peu et surtout qu'elles étaient beaucoup trop courtes. Quand ça commençait enfin à vraiment devenir glauque, c'était déjà fini. Et en plus, la majeure partie de l'action se passe à la fin. Du coup, le reste du roman paraît un peu vide en termes de fantômes et tout le bordel. Mais après, comme je disais, ça en fait pas un mauvais livre. L'histoire est intéressante, les personnages sont très bien écrits et très travaillés. D'ailleurs, on ressent très bien la descente aux enfers du père. On voit vraiment sa transformation progressive et du coup, plus le temps passait et plus il me saoulait et j'avais envie de le frapper. Même si pour le coup, la fin m'a pas du tout surprise parce que je la connaissais déjà, même si j'ai pas vu le film. Je pense que tout le monde a déjà vu une image de la scène avec la tête du père à travers une porte en mode « Coucou, c'est moi !» Pour rester dans les personnages, mon préféré c'est Danny, comme tout le monde je pense. Il est très courageux, très attachant, mais aussi très déconcertant parce qu'il a l'air d'être un adulte alors que le gosse a que 5 ans. Personnellement, je crois pas me rappeler que je parlais comme ça à son âge. Il s'exprime et il réfléchit comme un adulte. Et ouais, c'est assez perturbant. Je trouve aussi que c'est le personnage qui est le plus intéressant à mes yeux. Jack l'est aussi avec sa folie, mais Danny, c'est celui qui m'a le plus touchée. En fait, quand c'était lui qui était le narrateur, je me sentais un peu plus plongée dans l'histoire et j'avais l'impression de plus ressentir les sentiments du personnage en fait. Par exemple, le sentiment de malaise ressenti par Danny à son arrivée à l'hôtel est hyper communicatif et c'est normal parce que je me dis que si j'étais perdue au milieu nulle part, sans aucun moyen de m'échapper, je me serais pas sentie bien non plus. Et il y a aussi un passage avec un tuyau d'arrosage qui m'a mise mal à l'aise parce que le gosse était en train de se demander si le tuyau était pas vivant. Et du coup, moi aussi je me suis mise à psychoter en me disant « et s'il se mettait à bouger ?» Sinon, le fameux « red drum » est traduit en français par « trop mal ». Et je sais que c'est super compliqué à traduire ce genre de truc, mais quand même, ça a vachement moins de gueule en français. Je trouve presque que ça donne plus envie de rire qu'autre chose, genre « oulala, trop mal, attention !» Mais vu que c'est l'enfant qui le disait, on va dire que ça passe. D'ailleurs, quand il parlait de trop mal, c'est un peu le seul moment où il s'exprimait comme un enfant de 5 ans, du coup. Sinon, l'histoire en elle-même est vraiment pas mal. D'ailleurs, est-ce que je suis la seule à trouver que l'intrigue de Shining est un peu similaire à celle d'Amityville? On a des gens qui arrivent dans un nouveau lieu, l'endroit est tenté et il y a des voix qui parlent à un des personnages pour essayer de le manipuler. Moi, je trouve que le principe de base est un peu pareil quand même. Voilà, au final, je dirais que j'étais un peu déçue de ce livre parce que, vu que c'est un classique de l'horreur, un classique de Stephen King et que tout le monde l'adore, je pense que j'en attendais trop. Pour tout vous dire, ce livre, je l'ai commencé en février et j'ai repris ma lecture seulement en septembre. Pas parce que j'aimais pas, mais parce que j'avais d'autres choses à lire que j'ai fait passer en priorité. Et en fait, il m'a pas vraiment manqué. C'est-à-dire qu'il y a des livres où on est happé dans l'histoire et on a envie de connaître la suite tout de suite. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et là, bah, ça me dérangeait absolument pas d'attendre avant de savoir ce qui allait se passer après. Je lui mettrais un 3 sur 5, voire 3,5, mais grand max, parce que même si en soi c'est un bon livre, j'en attendais beaucoup plus côté horreur, et je crois que je suis un peu restée bloquée là-dessus en fait. Sur Livre Addict, j'ai vu plein de commentaires dire que c'est le meilleur livre de Stephen King,
Et je suis tellement pas d'accord, je suis persuadée qu'il y en a plein qui sont bien mieux. Rien que Nuit Noire, Étoile Morte est largement au-dessus à mes yeux, même si théoriquement c'est pas un roman mais un recueil de nouvelles, mais c'était quand même mieux. Bref, dans tous les cas, j'aimerais quand même beaucoup lire la suite Doctor Sleep, parce que j'ai envie de savoir ce qu'est devenu Danny. Et j'espère qu'il sera plus angoissant que celui-ci. Donc voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu Shining et si vous avez été aussi déçu que moi ou si au contraire vous avez adoré. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !